Oui. Alors, mémé. Tu kiffes? Mais bienvenue. Oh là là. Et la tostiera, où est la tostiera? Il doit avoir la tostiera, les tomates, les poivrons piqués. La moukhria aussi. Regarde le barbecue là-bas. La moukhria, la viens, on fait un... بالحوت على ودات يا موني لي غارو مني قالوا لي واش عجبك فيا عجبتك ولا لا جاوبت اللي جهل وفني وذو عيني يشوفوا بيا Alors mémé, qu'est-ce que tu manges? Ben, je mange des petites sardines et je mange des rougies, des rougies de roche. Oui, pour papa. Maman, un petit verre de vin, oui. Oui. Allez les Khaïm. 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 Les Il y en a qui prennent des risques. Voilà, non, mais on m'a intercepté à l'entrée du site, c'est interdit de rentrer. Voilà. Je le dis enfin, c'est un problème. Dieu vous bénisse. Regarde, maman, regarde. Ça, et je vous cache pas, c'est la recette que je vous ai volée sur internet. Voilà, regardez. Les oies moelles avec les oignons. Très bien. La viande. Très bien. Regardez, et que des légumes frais. Très bien. Voilà. Confirme-le. C'est très très bien. Il y aura des petits bêtes et des petits pois. Des petits pois, bien sûr. D'accord. La coriandre et la menthe fraîche. Très bien. Un peu d'aneth ou pas d'aneth? Non. Pas d'aneth. Thème ou calvaire? Ah, thème ou calvaire. Et en poudre. Le thème. Thème en poudre. La coriandre en poudre et la purée purée en poudre. Et la galette à la dernière minute. La dernière minute, si la femme revient à côté. Et ça, c'est quoi là? Ça, c'est. Ça, c'est Bourbin. Le Bourbin. Ah, tu as reconnu ça, Tu as mis de l'ail là ou pas? Oui, bien sûr. Ah, alors, il faut qu'il y ait pas de pomme de terre, attends. Pas de pomme de terre. Attention. Jamais. Si tu mets la pomme de terre, elle est tournée. Non, pas de pomme de terre, jamais. Voilà. Jamais. Des navets, oui, le céleri, que des produits frais. Les fèves, les petits pois, la viande. Yabelhout. Et la courgette. Yabelhout. Et c'est tout. Voilà. Le coriandre et la menthe fraîche. Avec une bonne santé. Amen. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'on dit à Thierry? Et qu'il bénisse tout mon personnel. Voilà, j'ai mangé un fils ici, Thierry. Qu'il est là chez moi depuis 30 ans. Ah, il y a Otali. Ah, Otali. Que Dieu qui vous fait. Du poisson. Et les épices, maman. Voilà, je l'ai dit. Que ah, tu lui as dit. Voilà. Ah, oui. Et là, qu'est-ce qu'il va mettre comme épices? Bon. Écoute-moi. Ça. Ouais. Ça, c'est au cumin. D'accord. Ah, voilà. Cumin. De l'huile de harissa. L'harissa, lui. Yaroul. Yaroul. C'est pas moi, Yaroul. C'est lui. C'est lui, Yaroul. Ça fait 30 ans qu'il fait ça. Eh bien, c'est bien. On ne va pas vous déranger. Merci, merci, madame Chemla. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon boulot. La meilleure Asbana, elle vient d'où? De chez Jojo. Jojo, mais dans quel Jojo pays? Là, on est en Grèce. Ah, de Belleville. Ah oui. Ah oui, de Belleville. Ah oui, tu l'aimes bien, lui. Hein. Extraordinaire. Je crois qu'il nous a nourris, il nous a transformés comme ça, lui. Hein. Dieu bénisse pour lui. Dieu bénisse pour lui. Ah, c'est un homme. D'ailleurs, il a une clientèle racé et choisi, c'est pas n'importe qui. Bon, pour revenir à Thierry. Oui. L'Asmana, j'ai oublié. Mais le reste, tout ce que tu as. Ah non, il n'y a rien à dire. C'est quoi, c'est une merveille? Que du frais. Et c'est propreté. C'est du frais. C'est du frais, des légumes frais, pas aucune congélation. Et il a reconnu quoi le plus important? Les épices. Que non, que c'était la recette de mémé Odette. Exactement. Hein? Il est honnête, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Très c'est un grand monsieur, c'est un gentil. Bon, on se fait une petite partie de carte là, les amis. Oui, je préfère. Ah, allez, c'est parti. Il y avait des carottes. J'ai dit, comment on les assaisonner? Il m'a dit avec du cumin, de l'harissa, de l'huile.
du sel. J'ai dit un peu d'ail, il m'a pas répondu. C'est-à-dire, il n'aime pas le... l'ail, tu vois, c'est pas si, il a mis de l'ail dans le... Ah, tu as vu, toi, dans la sauce. Parce que oui. Maman, parfois, dans l'harissa, il y a déjà l'ail dedans. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu n'as pas besoin de mettre une deuxième fois. Moi, parce que j'adore la cuisson de l'ail. J'ai fait cette semaine de une pointe, j'ai tout piqué d'ail. C'était un régal, Je sais, je l'ai goûté, je peux cautionner. Elle était sèche ou juteuse? Non, j'étais... Et on l'a fini dans l'avion, en sandwich. Aïe, 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 comme d'habitude. Et l'odeur, elle est ressortie. Avec la...